Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue à cet épisode 3 du Snipe with Style. Donc aujourd'hui, vous savez que je ne serai pas tout seul pour ce commentary. Mon invité spécial fera apparition que dans la deuxième partie de ce gameplay et de ce commentary, la partie les filles face aux jeux vidéo. Pour le moment, je vais m'occuper du gameplay de ce L118, donc dans cette partie. Alors, donc, cet épisode 3, on va donc le faire en domination avec le L118. Donc, cette partie, je l'ai faite hier, parce que j'avais un gameplay donc au L118 qui était prêt. Mais c'était pas un très très bon gameplay, il était beaucoup trop court, il faisait 5 minutes et quelques. Et ça allait vraiment pas pour vous montrer vraiment quelque chose de consistant avec le L118. Alors, ce sniper, donc, c'est un sniper très 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 léger. C'est un sniper à verrou, comme le MSR, donc c'est pour ça que je l'ai fait direct... En enchaînant après le MSR, je vais vraiment faire bien la comparaison, on va dire, avec l'autre sniper principal à verrou, donc de l'épisode 2 du MSR. Il est plus léger un petit peu que le MSR, au niveau des déplacements, je trouve. Moi dessus, donc j'ai toujours la même classe, je vous l'affiche maintenant. C'est toujours les mêmes atouts que j'utilise, tout pareil, parce que je trouve que pour moi, c'est ce qui va le mieux. Après, il y a une petite différence, c'est que sur tous les snipes, en général, je mets vitesse, donc pour pouvoir me déplacer plus vite, pour tout simplement courir plus vite. Mais pas sur celui-ci, parce que je trouve qu'il est particulièrement léger, et du coup, je trouve que ça va peut-être un tout petit peu trop vite. Donc sur celui-là, je mets recul, pour justement avoir un tout petit peu plus de stabilité au niveau des flash cops. Donc voilà. Donc là, on se retrouve sur mission, donc c'est une map que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite dans le sens où il y a pas mal de hauteur. En même temps, il y a des longs couloirs, etc. pour filer. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est une map où j'ai quand même réussi à avoir pas mal de clips avec tout type de snipe. Et il y a vraiment des spots. Vous allez bien le voir dans cette partie. Il y a vraiment un spot principal que je pense que sur cette map, on va dire, la plupart des gens connaissent, c'est le au-dessus de la petite colline là, vers B. Donc voilà, là pour ceux qui viennent de voir le petit jet de C4, là, donc en ce moment, pour ceux qui me follow sur Twitter, j'essaye ce qu'on appelle des C4 shots. Donc je vais en parler aussi là-dedans, comme ça fera un petit sujet en plus que uniquement le sniper. Qu'est-ce que c'est un C4 shot? En fait, c'est le fait de lancer un C4 en l'air et de tirer dessus avant qu'il n'explose, ou avant d'activer l'explosion en fait, ou d'appuyer par exemple sur double X ou double carré, je crois, sur la PS3 pour le faire exploser. Donc je le lance en l'air et je tire dessus pour le faire exploser. Et j'ai fait ça avec le snipe, avec le Colt. Là, j'ai le Colt en arme secondaire. J'ai testé ce gun là. Je l'apprécie plutôt pas mal, surtout pour faire les C4 shots. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de pas très très facile à faire que je teste en ce moment, et vous le retrouverez sûrement, j'ai rentré quelques clips en C4 shot que vous allez sûrement retrouver dans des épisodes à venir. Après, pour ce L118, regardez le fail là, vous êtes d'accord, je vais quand même tirer 3 fois dessus, j'ai quand même pas... Bon bref, pour ce L118 je vous conseille toujours le chargeur de grande capacité comme atout principal, parce que... voilà, enfin, faut le dire comme accessoire principal, parce que pour avoir plus de balles, pour faire des kill feeds, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, c'est ce que je fais moi, c'est ce que j'adopte moi comme type de gameplay. Ensuite, je voulais aborder, on va dire, 2 autres sujets à propos des snipers où on me pose pas mal de questions. Il y a déjà 2 questions principales qui reviennent, on va dire, tout le temps. Donc, c'est la sensibilité avec laquelle je joue, parce que beaucoup de personnes me disent, voilà, moi j'ai une sensibilité très basse dans le sens 3-4, et je joue au sniper et ça va quand même, mais j'arrive pas forcément à enchaîner. Donc déjà, à propos de ce sujet là, je voulais revenir dessus, parce que moi j'ai une sensibilité de 8 ou de 9. À l'époque, sur MW2, je jouais en 10, mais j'ai baissé un tout petit peu la sensibilité à 8 ou 9 pour pouvoir viser les têtes plus facilement, donc pour faire des feeds de headshot. Et du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est pour ceux qui commencent, qui débutent vraiment au sniper, qui n'ont pas forcément joué du tout avec un sniper, il faudrait commencer à une sensibilité au moins de 6 et progressivement augmenter. 6, 7, 8. 8, c'est nickel. Moi, je trouve que ça me suffit. Dépendant les snipes, je mets à 9, mais je change rarement.
Donc je vous conseille vraiment de commencer à 6 et d'aller en progression et de faire en sorte de pouvoir augmenter. Après, vous verrez que vous pourrez enchaîner plus facilement. Et les ennemis, quand ils vous fonceront dessus, si vous avez une sensibilité plus élevée, vous pouvez avoir donc ces coups de réflexe pour pouvoir les ajuster et les tuer plus facilement. Après, l'autre question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que entre, on va dire, le Barrett, MSR, L118, est-ce qu'il y en a qui mettent moins de hitmarkers que d'autres? Alors, concrètement, dans les puissances que vous avez peut-être vues, des descriptifs des armes, vous avez des puissances qui sont indiquées. Donc le Barrett et le, comment il s'appelle, l'A50 sont censés être les deux snipes les plus puissants du jeu. Donc après, moi je trouve que bon, le Barrett met quand même quelques hitmarkers, on va dire plus pas mal en fait. Mais le L118 aussi en met pas mal dépendant où vous tirez. Je trouve qu'il en met plus que les MSR. Donc après, c'est qu'une question de connexion, comme j'avais parlé dans le dernier épisode. Donc moi je vous conseille. Concrètement, y a pas, on peut pas faire grand-chose contre les hitmarkers. C'est le truc qu'on me demande le plus, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les hitmarkers? Malheureusement pas, vous pouvez augmenter votre connexion. Mais même sur ce MW3, les connexions qui sont trop puissantes pour certaines personnes sont défavorisées. Comme par exemple, vous avez peut-être entendu dans certaines vidéos qu'a fait Diablo X9, lui il a une connexion, vraiment une très bonne connexion, il met beaucoup d'hitmarkers. J'avais parlé également avec Titou qui a 100 mégas. Et il m'a dit qu'au sniper, c'était vraiment affolant le nombre de hitmarkers qu'il mettait. Et qu'en voyant mes vidéos, il comprenait pas pourquoi lui c'était comme ça et que moi c'était moins, mais je lui ai dit que j'avais tout simplement une moins bonne connexion que lui, et du coup je mettais moins d'hitmarkers. Donc voilà. Donc on a un peu conclu, on va dire, cette partie gameplay. On va passer à la deuxième partie de ce commentary, et là je vais vous présenter mon invité spécial, qui n'est tout simplement que ma copine Adeline. Coucou tout le monde. Donc voilà, pour tous ceux qui ne le savent peut-être pas et qui ne follow pas sur Twitter, Adeline est ma copine depuis donc quelques mois. Et donc c'est la première vidéo qu'on fait ensemble, et je pense que c'est une des principales intéressées par ce sujet, donc c'est pour ça que je lui ai demandé aujourd'hui d'être là avec moi. Donc qu'est-ce que veut dire ce sujet, les filles face aux jeux vidéo? Donc concrètement, c'est qu'est-ce que pensent les filles qui ne jouent pas forcément à Call of Duty, qui ne jouent pas aux jeux vidéo en général, qu'est-ce qu'elles pensent un peu justement de cette communauté de joueurs, de justement YouTube, etc. Et je pense qu'Adeline pourra nous donner un bon avis sur ça. Donc toi concrètement, qu'est-ce que tu penses des mecs qui jouent aux jeux vidéo? Bah moi c'est vrai qu'avant de te connaître, je connaissais vraiment pas ce monde du jeu vidéo parce que moi-même je joue pas beaucoup sauf bah sur mon iPhone de temps en temps et puis j'ai fait deux trois parties sur la Wii MW3 avec mon petit frère. Oui, d'ailleurs, qui est une des rares personnes au monde à jouer à MW3 sur la Wii, je trouve ça remarquable, vraiment, c'est... Non mais c'est vrai qu'au premier abord, on pense que tous les mecs qui jouent font que ça de leur journée et je trouve ça dommage parce que c'est cet avis-là qui est mis en avant. Alors que bah depuis que je te connais en fait, je vois que ce monde-là, c'est vraiment quelque chose de super sympa, rien qu'à voir avec Twitter et même les amis que t'as sur YouTube, etc. Bah je sais pas, c'est comme une grande famille et je trouve ça sympa. Ouais, c'est vrai que dernièrement j'ai fait beaucoup de nouvelles connaissances et c'est vrai que c'est vraiment super sympa et on s'entend vraiment tous vraiment bien. Et donc toi, tu conseillerais à un mec, par exemple, qui s'intéresse à une fille, de lui dire sans problème qu'il joue aux jeux vidéo ou ce serait une honte? Moi personnellement, je vois pas où serait le problème qu'un mec dise à une fille qu'il joue aux jeux vidéo. Enfin, c'est pas une honte du tout, au contraire, on a tous ses passions et je vois pas pourquoi celle-ci serait moins bien qu'une autre. Donc vous voyez comme quoi les mecs c'est vraiment pas quelque chose de quoi il faut avoir honte. Il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent à ça, il suffit de voir les vidéos sur YouTube, il y a de plus en plus de gameuses qui se mettent à faire des vidéos, même sur le live. Moi j'en croise de temps en temps, Shailina qui est une bonne amie à moi, elle a plein d'amis filles qui jouent entre PC, PS3, Xbox. Donc voilà, moi je pense que vraiment les jeux vidéo par rapport justement un peu à la communauté de filles, c'est vraiment pas un truc qu'il faut mettre à part et que ça pourrait même en intéresser plus d'une. Oui, c'est vrai, mais après moi je me verrais pas faire des vidéos ou faire plein de codes feed comme toi, c'est beaucoup trop dur. Déjà, quand j'ai joué avec mon frère, je vois que je lui ai plus donné mal à la tête qu'autre chose, le pauvre. Donc bon, pour les vidéos, c'est pas gagné d'avance, hein. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément facile, mais c'est juste une question d'entraînement. Et voilà, mais d'ailleurs, dites-nous les gens si ça vous intéresserait de voir quelques vidéos peut-être de Adeline et moi. En tout cas, je pense qu'on va en faire une sur FIFA. T'aimes bien FIFA, non? Oui, d'ailleurs, je suis sûre que je peux te battre. Ouais, franchement, il y a des chances, hein. Déjà, plus qu'à Call of, je pense. Ouais, enfin, Call of, je sais que si tu m'apprends, je pourrais te battre après. Ouais.
On vous fera aussi un 1 contre 1 sur Call of quand Aline viendra chez moi. On fera un petit 1 vs 1, 1 vs 1 au snipe, on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être bien drôle. Ok. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et donc en conclusion, le L118 est vraiment un bon sniper. Il n'est pas forcément facile à utiliser au début. C'est juste une question d'entraînement. Ensuite, je pense que vous pouvez vraiment sortir de bons trucs parce qu'il est bien léger, bien maniable. Donc voilà, entraînez-vous avec. Et pour les filles face aux jeux vidéo, Adeline, quelle est ta conclusion ? Bah, pour moi, c'est dommage que les filles, en général, ont une mauvaise image des jeux vidéo. Parce que moi, c'est vrai que j'y connaissais rien. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est vraiment un univers intéressant et rempli de gens super sympas qui en valent la peine. Donc comme quoi, les jeux vidéo peuvent plaire à tout le monde et surtout à toutes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, n'oubliez pas de bien lire la description. Vous retrouverez le Twitter de Adeline, le mien également, si vous voulez nous follow, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas de regarder l'ancien épisode de Snipe with Style, le MSR, pour bien comparer... qu'est-ce que vous préférez entre le L118 et le MSR? Merci à toi, B, d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je trouve que ça n'est pas trop mal sorti pour une première vidéo ensemble. Oui, bah écoute, c'était avec plaisir en tout cas. Et puis, on se retrouve très bientôt, déjà pour le nouvel épisode de Darkness. Ce vendredi, il y a le top 10 qui reprend, le top 10 Trickshot. N'oubliez pas de participer en masse. Je mettrai également dans la description le lien de l'email où vous pouvez envoyer vos clips. Et voilà, donc c'était Wartech et Adeline, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bisous tout le monde.